Hello YouTube, je vous aime, mes fans, mais non seulement je voulais avant tout vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous kiffe énormément, je continuerai à faire mes vidéos, mais non seulement, n'oubliez jamais qu'on est tous unis. Lorsqu'il y a un concours de l'Eurovision, on est comme une famille. Je sais qu'il y a beaucoup de pays, ils aimeraient gagner. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es en train de te dire, ouais, on est déçu, ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Pourquoi ce pays n'a pas gagné? Et pourquoi le public n'a pas choisi ce pays-là? Parce que la musique était bonne? Pourquoi? Et le comment? Et des fois, t'es en train de poser des questions. C'est vrai que, vous savez, c'est le public qui choisit. Vous savez, c'est vrai qu'il y a une chanson que vous aimez. Ça ne forcément pas dire qu'elle va gagner. Il y a d'autres chansons dans le monde entier qui sont encore plus belles que celle-ci. Je sais que c'est dur, je sais qu'on a du mal à avaler des fois la défaite, je sais que c'est dur, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Ton pays restera ton pays. Peut-être que votre pays gagnera au moins une fois l'Eurovision. Je sais que le Portugal a gagné l'Eurovision, je sais que la Suisse a gagné l'Eurovision, je sais qu'il y a beaucoup d'autres de vos pays qui n'ont pas encore gagné. Je sais que vous êtes déçus chaque année. Je vois, je le ressens. Je sais que c'est dur pour vous. Je sais que la défaite, c'est chiant. Je sais que tu as gaspillé toute ta vie pour regarder ce concours et que tu n'y crois pas. Tu sais, je vais te dire une chose. Que ça va rester à vie pour de bon. Ne l'oublie pas, qu'un jour ton pays aura une bonne musique. Et là, tu vas te rendre compte que tu as eu de la chance et que tu vas être content. Il y a eu beaucoup la Suède qui a gagné énormément de fois. C'est parce que le public a adoré à chaque fois les musiques qui venaient de la Suède. Il y en a d'autres qui aimaient, le public a choisi, c'est comme ça. Je sais que c'est dur pour certains, je sais que c'est un truc qui te déçoit. Je comprends, je le ressens. Et je sais que quand tu votes, par exemple, pour les Pays-Bas, alors c'est vrai que les Pays-Bas n'ont pas gagné depuis tellement longtemps, ils méritent quand même de gagner. Et en plus, l'année prochaine, ce sera aux Pays-Bas, justement. Moi, je voudrais passer ce message à l'Eurovision des juniors. Amusez-vous, écoutez les musiques, mais non seulement, nous sommes une famille, unie par l'amour de Dieu. Que on est tous unis, on est tous gagnants. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Tu sais, si tu as un ami qui vient d'un autre pays, tu serais content pour lui. Et tu sais, je sais que des fois, t'es un peu déçu que ton pays n'a pas gagné. Je sais que la France aurait dû gagner, je sais que l'Italie aurait dû gagner. Il y en a beaucoup qui pensent que son pays aurait dû gagner. C'est vrai que c'est très difficile une défaite. C'est vrai que t'es en train de te dire, j'ai envie que mon pays gagne pour une fois. Peut-être qu'un jour, ton pays gagnera. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras kiffé ma vidéo. On se retrouve pour d'autres prochaines nouvelles aventures. Like ma vidéo, abonne-toi. Je t'embrasse très très fort. Je vous aime. À très bientôt.